Saint a été traversé par une épreuve internationale d'endurance et de régularité pour des motocyclettes d'avant 1946, intitulée Liège-Nancy-Liège. Cette épreuve s'est déroulée sur 2 jours et comportait environ 350 km aller-retour à couvrir avec des contrôles horaires à une moyenne de 36 km/h. C'était la 36e édition de ce Liège-Nancy-Liège. Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Moi, je suis Joseph Collet. Qu'est-ce que vous avez comme moto ? Une Guzzi, une Falcon de 59. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans ce rallye ? Le plaisir de rallye, hein, 2 jours de promenade. Hein, 2 jours de promenade. Et puis, s'il fait roadbook, quoi, c'est ça qui est amusant. Alors, comment ça se déroule ? Comment expliquer ça, là ? C'est-à-dire, nous avons un point de départ. Nous partons, nous avons un roadbook et nous devons rouler à 36 km à l'heure. Mais pendant les 7 premiers kilomètres, nous avons un contrôle secret que nous ne voyons pas. Et puis après, nous roulons normalement pour venir à des contrôles comme ici. Alors nous donnons notre carte, on la pointe. Et sur la carte, il est marqué notre heure de départ. Nous avons chaque fois des heures séparées pour repartir. Et la journée se coupe en 4 ou 5, ça dépend, 5 arrêts. Alors justement, ces machines, elles sortent d'un endroit particulier, d'un musée ? Oh non, nous en avons. Moi, j'en ai quelques-unes. Et alors, nous les retapons, nous travaillons nous-mêmes dessus, quoi. Hein, parce que les vieilles, il n'y a plus de garage pour les faire. Hein. Alors, quelle est un petit peu votre fierté dans ces motos que vous retapez ? Le plaisir de le faire, d'avoir des réunions avec tes copains, puis discuter moteur, et comment est-ce que tu fais toi, et comment est-ce que tu fais toi, où tu vas chercher des pièces. On trouve toujours des pièces, hein, mais il faut aller en Italie. J'ai des BMW, je viens de restaurer une BMW de 1936. L'Allemagne m'a fourni des pièces. Et voilà, c'est le plaisir de passer l'hiver et de faire ça, quoi. Ça fait combien de temps que vous faites de la moto, vous, monsieur ? Oh, j'ai 75 ans, alors depuis 20 ans, quoi, hein. Mais on en faisait en travaillant, bien entendu. Hein. Maintenant, il y a 20 ans que je suis pré-pensionné, alors c'est la belle vie, quoi. Hein. C'est la moto tous les jours. Hein.